Coucou tout le monde! Oh, pas bien centrée, elle est tombée. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, me regardez pas ma tête parce que je suis complètement à l'ouest. Mais bon, vous avez l'habitude. Alors, ce matin, deux courriers. Deux courriers. Alors, il y a Pamela de la chaîne 5 à la maison. C'est une coquinette. Voilà, elle m'a envoyé un courrier et elle me dit. Je ne suis pas pour le concours, mort de rire. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je l'ouvrirai en dernier. Et donc, j'ai la participation de Véronique du 92. Donc, j'ai ouvert, je n'ai pas regardé ce qu'il y a dedans. Alors, Véronique, hop là. Tu me diras si je me suis pas trompée, mais Véronique, tu as donc le numéro 18. Et tu me diras si c'est bien ce numéro-là que je t'ai donné. Pas toute ma tête. Oh, c'est sympathique ça. Un petit mot de Véronique. La classe. Très joli, on a envie d'y être là parmi les fleurs. J'entends déjà les cigales. Alors, oh, c'est gentil. Bah oui, moi aussi, j'espère qu'elle va durer longtemps. Mais ça tient qu'à vous, hein. Et si vous venez pas me voir, ma chaîne va mourir. Et que donc tu m'as connue grâce à Greg, le chouchou des youtubeuses. Moi je l'appelle Monsieur Handman et la mascotte. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui, franchement? Je te fais plein de bisous, Véronique. Et donc elle m'a fait un très très joli tag. Il est simple, mais il est très joli. Très vintage. Chabille. Donc elle alors que je regarde un peu plus près, donc elle m'a mis de la dentelle plastique. J'adore cette dentelle, je trouve que même si c'est du plastique, ça fait un effet super. Là c'est un morceau de napperon, donc il donne un effet brillant. De par la colle, je trouve que ça rappelle le plastique. Je trouve ça super. Deux petites fleurs là, elles sont superbes. La toile de jute. Je sais pas si c'est toi qui les as faites ou si c'est dû acheter. Et alors ça, c'est superbe. Bon, il y a le reflet. C'est un cabochon. Alors on peut le faire, ça, s'il est transparent, on colle une image par derrière. Je sais pas si c'est toi qui l'as fait ou tu l'as acheté comme ça. Mais il est très joli, il y a une dame à l'intérieur. Et donc là, pareil, un ruban de corde. Enfin, c'est très très joli, très simple. Et on finit par un petit morceau de bolduc. Voilà. Merci, merci Véro. Alors c'est Véro de Véro Rêve. Hein. Donc je pense que tu as une chaîne active. Je vais aller voir ça et je vous mettrai bien sûr, si j'y arrive, ces informations en barre d'infos. Alors passons au colis de Pamela de 5 à la maison. Alors elle m'a mis une petite décoration. Allez, on ouvre. La coquine, je ne sais pas ce qu'elle m'a mis dedans. Je vois du rouge. Je vois du rouge, je vois du rouge. Ouh là 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 là. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est très joli. C'est pour mon anniversaire. C'est pour mon anniversaire. Comment t'as fini ça?
Waouh. Ah, excellent. Regardez-moi ça. Le rouge, la moto. Que dire de plus? C'est super. C'est super, c'est super. Dis donc, ce serait pas la moto que je t'ai envoyée, ça? Par hasard? Magnifique. Allez, je déballe. Alors, sa carte. Très jolie. Alors, avec un petit peu de retard. Oh, c'est gentil. Non, ce ne sera pas un 38 tonnes, c'est un wagon que je vais t'envoyer. T'inquiète, si je vais dans la Savoie, la Haute-Savoie, je viendrai te faire un coucou, t'inquiète, parmi tes vaches. Donc voilà, une très jolie carte, des fleurs, des strass, du rouge, de la dentelle. Merci, merci, merci. Super sympa. Alors, une petite pochette avec un napperon, deux napperons, des napperons. Hop là. En forme de cœur. Et un napperon tout blanc. Super sympa. Merci, merci. Alors là, ce sont les fameuses petites enveloppes, les Laudi d'enveloppe. Oh, mais il y en a partout, des petits détails. Hein. Là, j'ai mis un petit. Je sais pas si vous allez le voir. Une petite breloque. Ah, je ne vais pas l'abîmer. Une petite breloque guitare. Mise au point. Mise au point. Juste dans le coin. Moindre petit détail. Donc un superbe papillon. Donc ce sont les Laudi d'enveloppe. Et en nous, on se croirait à la Saint-Valentin, c'est une déclaration. Donc à l'intérieur, voilà, ça se présente comme ça. Ça change un petit peu, voilà, pour histoire de un petit cadeau sans faire la grosse Laudide. Des paperclips, des tags, enfin un petit tag 100% original. Eh oui. C'est très. Waouh! Non mais, ah, ça c'est excellent ça. Même jusque au. La tâche parisienne, qui est une vis. Excellent. J'adore. Excellent, excellent. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis dans le petit pochon là? Ouais, ils sont beaux, des petits papillons là. Un petit papillon métal et puis du tissu. Alors là, elle m'a mis, qu'est-ce que c'est qui est tombé? Un trombone avec une dentelle autocollante grise. C'est sympa ça. Voilà, on va mettre ça là. Là, elle a mis un morceau de le zigouigoui. Zigouigoui. Oui, si vous ne connaissiez pas ce mot-là, attends, vous connaissez. Qu'elle m'avait mis sur l'enveloppe. Rouge. Il est beau, hein? Un petit bouton. Ah.
Tout est dans le thème rouge et blanc. Hein. Petit bouton blanc en forme de fleur. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une tasse. Oui, c'est une tasse. Ah oui, on a mis le service en fait. Les deux tasses. Et la théière. Bon, moi, je mettrais du café dedans. Je suis plus café que thé. Et une petite fleur. Alors, il y a un... Ah ben voilà, c'est un petit bouton. Deuxième petit bouton rouge en fleur. Merci, merci, c'est tout mini. Et donc, dans la deuxième partie, un deuxième petit tag où c'est marqué « Waouh ». Je vois pas du tout pourquoi tu mets « Waouh ». Peut-être une marque de fabrique? Peut-être. Très, très jolie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'elle m'a mis là-dedans? Des sequins, des mots, joyeux anniversaire, comment ça s'ouvre? Hop, hop, hop. Je vous dis pas, hein, déjà rien que deux courriers, ça prend trois plombes. J'imagine même pas si j'en avais quatre. Voilà. Alors, avec des petits mots. Oh, c'est super ça. Joyeux anniversaire, vous voyez rien, c'est pas grave, on va remédier à la chose tout de suite, un fond bleu, jaune, bleu, voilà, joyeux anniversaire, et mon ami plein, des petites fleurs, des papillons, des rouges, des dorés, enfin argent, voilà, petit papillon, et des sequins, fleurs, vous en attrapez une, hop là, voilà, mais merci la ma belle, c'est super gentil. Ah mince, et voilà pour la petite enveloppe de Pamela, 5 à la maison. Et alors là on a une pince croco. Un joli papillon en tissu. Là, c'est pas du tissu, c'est du. C'est du dé. Du dé. Hmm. Du bas. Du bas. Rouge. Ils sont magnifiques, tes papillons. Donc voilà, ça se présente comme ça. On a mis du scratch, nous, là, de chaque côté on glisse des scrap bidules, là, le petit mot, on le retourne, de nouveau un scratch, et alors elle est très simple à faire, je ne sais pas si vous avez déjà vu le tuto, d'ailleurs que Pamela a fait, à partir d'une page A4, on plie dans un sens, on plie dans l'autre, on rabat les coins, on replie le tout en deux, et voilà, on a notre petite enveloppe. Très simple, rapide et efficace. Eh bien, écoute, je te remercie pour ce petit cadeau, cet envoi surprise. J'ai bien aimé le... Ce n'est pas pour le concours, mort de rire. Coquine. C'est toi qui as fait l'embossage du petit sentiment là, joyeux anniversaire. C'est super mimi. Bon, et bien voilà. Je vous remercie toutes les deux. Hein, donc Véro de Véro Rêve et Pamela de 5 à la maison. Je vous fais des bisous. Passez une bonne journée et puis peut-être à demain. Bisous, bisous! Oups, me revoilà! J'avais oublié ça, je ne l'avais pas vu. Un paperclip avec une jolie robe. C'est excellent. Je viens de le voir en rangeant tout sur ma table. J'ai fait, oh, j'ai oublié!
C'est super. Et tu t'es éclaté hein, à faire ça. Hein. Je regarde sous les jupes. C'est excellent. Donc elle m'a monté ça sur un gros trombone. Et elle m'a fait une robe. Super. Voilà, j'avais oublié. Merci ma belle. Bisous, bisous.